15 clubs sur le 20, affiliés à la Ligue des Taekwondo de la province d'Ndjamena, ont pris part à cette première édition du Challenge de Taekwondo, dénommé Open Team Champion, qui vise à évaluer le travail abattu par les entraîneurs des clubs durant la saison 2023-2024. Cette compétition qui vise également à occuper les jeunes de 10 à 18 ans pendant les vacances s'est déroulée en deux jours au stade municipal de Paris-Congo, laquelle a été dominée par trois clubs. Il s'agit des clubs Yin Yang, Taekwondo Victoire Club et le Centre Académie de Taekwondo. Ces trois clubs se sont imposés chez les cadets, les cadets et les juniors en occupant les trois niveaux du podium, synonyme des médailles d'or, d'argent et médailles de bronze. Le directeur technique national, Serge Nandé, s'est réjoui de cette initiative qui permet de maintenir les enfants en forme pendant les vacances. L'initiative de cette compétition est d'amener les enfants à se brasser pendant les vacances et c'est la toute première édition. C'est une idée collective des maîtres de club pour déceler les jeunes talents. Selon les organisateurs, ce challenge ne va pas s'arrêter à cette première édition car il a permis de donner le goût de la discipline aux enfants non scolarisés.